Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana, Peggy bat Esther, Zabat Mazal Tov, Shishporti, Simon bat Leoni, Michael Novikov et Yaakov ben Aisha, et aussi Rufuat Ruth bat Claudine Traina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perek Aleph Mishnah Hei. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo, Seire Rashi Chodashim Mechaprin al Tahor Sheachal et Tatame. מוסיף עליהן של רגלים שמחפרים על הטהור שאכל את הטמא ולשן בידיעה לא בתחילה ולא בסוף. מוסיף עליהן של יום הכיפורים שהם מחפרים על הטהור שאכל את הטמא ולשן בידיעה לא בתחילה ולא בסוף. ולשן בידיעה בתחילה אבל יש בידיעה בסוף. אמרו לו, מהו שיקריבו זה בזה? אמר להן, הן. אמרו לו, אם כן יהיו של יום כיפורים קרבין בראשי חודשים. אבל איך? של ראשי חודשים כרבין ביום הכיפורים נחפר כפרה שאינה שלה. אמר להן, כולם באים נחפר על תומת מקדש וקודשיו. Si vous avez bien compris la Mishnah précédente, et bien cette Mishnah, ça va être très très simple. Vraiment, c'est le même principe qui va revenir, avec une petite nuance qui va changer le dialogue entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir qu'on a pris dans la Mishnah précédente. D'abord, pour rappel, je retiens juste deux avis de la Mishnah précédente, qui sont Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Pour rappel, il y avait quatre sortes, c'est ce que je reprends ici, et je refais le tableau. On a parlé jusqu'à maintenant de quatre sacrifices, quatre korbanot tzibur, des korban khatat, des expiatoires qu'on apportait, des korban expiatoires publics, qu'on apportait durant les jours de fête, que la Koupa de la Lishkat Hagazit a apporté au Beit HaMikdash. Et, ouais, c'est ce qu'on lit quand on lit Rosh Chodesh. Il y a marqué là-bas aussi, Rizim Echad Khatat Lachem. C'est Rizim Echad Khatat. Il y a marqué dans tous les Chagim aussi. On a récemment à Pessah, on l'a vu aussi, on le verra à Shavuot de nouveau. Il y a un Seir Rizim qui vient en Khatat. À part le Par Echad, Ve Aïl Echad, Oshneelim, et Shiva Kvasim qui était Olaïf, elle apporte un Korban Khatat. Ce Korban Khatat vient donc expier des fautes, puisqu'il s'appelle Khatat, c'est un expiatoire. Quel type de faute il vient expier? Alors c'est sur ça qu'on avait mis l'accent sur quatre korbanot avec quatre sortes d'expiation de kaparot. On avait parlé de quatre niveaux de korbanot de manière décroissante. Le plus important, c'est le sa'ir qu'on fait à Yom Kippour. À l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, on jette son sang au Kodesh HaKodeshim. Celui d'en dessous, c'est celui qu'on fait à Yom Kippour sur le Misbeach Achitson, sur l'autel qui était dans la cour du Beit HaMikdash, où là-bas on va verser son sang et on va aussi monter les morts. Ouais, on verse pas le sang plutôt, on va donner le sang sur les Kranot, le Khatat, on donne sur l'Arba Kranot, et on donnait là-bas sur le... D'accord. Donc c'est le deuxième niveau, celui de Yom Kippour, à l'extérieur. Il y avait ensuite les Seirim qu'on apporte durant les jours de fête, et à part ça, les Seirs de Rosh Chodesh, soit c'est la même chose, ou soit il y a une différence entre les deux. On avait appris justement l'avis de Rabbi Shimon qui avait une différence entre les deux. Soit, en parallèle, il y avait quatre fautes, qu'il fallait une expiation pas individuelle, parce que pour apporter de manière un korban individuel, lorsqu'on entre au Beit HaMikdash tamé, il faut qu'il y ait eu connaissance de la Touma avant, oubli au milieu, et connaissance de la Touma et réaliser son erreur ensuite. Puisque j'ai eu connaissance, oubli, connaissance, j'apporte mon khatat yachid, olev yored. Mais si je ne suis pas dans ce cadre-là, donc il faut que je me fasse expier autrement. Parce que pour le moment, je suis passible de... J'ai transgressé une grave avéra. Et un homme qui transgresse une avéra, naturellement, il risque d'avoir des épreuves dures dans la vie. Donc il faut absolument faire une kapara. Et sur ça, on avait vu, donc face aux quatre kaparotes qui venaient en parallèle avec quatre sortes de fautes selon Rabbi Shimon. Le plus important, on va d'abord juste les citer de manière décroissante, c'est ce qu'on a ici cette fois-ci. Connaissance avant de la Touma, mais pas après. On n'a pas encore réalisé qu'on est rentré tamé au Beit HaMikdash. Non, on a réalisé qu'on est rentré au Beit HaMikdash, mais pas qu'on était tamé, qu'on était impur. Deuxièmement, c'est celui qui a eu connaissance que après, mais pas avant. D'accord, lui ne pourra jamais apporter de korban. Ensuite, il y avait connaissance ni avant ni après. Il n'a même pas fait attention qu'il était impur. Il est rentré au Beit HaMikdash et ensuite il a continué à vivre sa vie. Il n'a jamais de sa vie réalisé qu'il a fait cette grave erreur de rentrer impur au Beit HaMikdash. Même lui, il lui faut une kapara. Et le quatrième niveau, c'était que Rabbi Shimon qui l'incluait, c'était l'histoire de celui qui mange une viande qui est impure. C'est un sacrilège moins grand, étant donné que c'est pas qu'on n'a pas quelque chose qui est kadosh et qu'il lui fait un sacrilège. Non, la viande elle-même, elle a déjà perdu sa valeur parce qu'elle a été impurifiée. Donc, certes, elle reste dosha, mais elle a un statut qu'il faut la brûler. Et lui, il était taor et il l'a mangé.
Donc il a fait aussi de la nouveau, un sacrilège face au Averot HaKodshim. Ouais. D'accord ? Face à ces quatre expiations pour les quatre fautes, donc il y a ici la correspondance. Le Korban, de, le Saïr de Yom Kippour qu'on fait à l'intérieur du Beth HaMikdash, alors c'est, ça, c'était, ça suspendait les épreuves dues à celui qui avait connaissance avant et pas après. Yom Kippour à l'extérieur, le Korban qu'on fait à Yom Kippour à l'extérieur du Beth HaMikdash, du Kodesh HaKodashim, qu'on faisait donc sur le Mizbeach, le Mizbeach HaOla, alors ça expiait les fautes qui avaient connaissance après, mais pas avant, qu'il n'a pas su avant d'être tamé, qu'il a été tamé. D'accord ? Il y a les corbanos de défaite, c'est pour celui qui c'est pour expier la faute de celui qui a jamais su qu'il a été tamé, ni avant, ni après. Et à part ça, hein, le Seir de Rosh Chodesh vient pour expier celui qui mange une viande qui a été impure. D'accord ? Ça, c'était le rappel de la Mishnah précédente. Il y avait, ça c'est la vie de Rabbi Shimon, et il y avait, on apprenait Rabbi Meir. Rabbi Meir, il faisait une salade double. C'est-à-dire, sans, on ne parle pas du Yom Kippour à l'intérieur et de celui qui a connaissance avant, mais juste de ces trois-là, Rabbi Meir disait, les trois, ils sont, chacun d'eux expie, peut expier chacune de ses fautes. Il n'y a pas lui, le premier pour le premier, le deuxième pour le deuxième, le troisième pour le troisième. Mais les trois peuvent expier pour chacune de ses fautes. D'accord ? Donc en fait, celui qui a par exemple Yarosh Kodesh demain, celui qui a pris connaissance qu'il est rentré Tamo Beth HaMikdash après coup, eh ben, le Korban de Rosh Chodesh pourra l'expier. Chose que selon Rabbi Shimon, ce ne sera pas possible. Inversement, ouais, le Korban qu'on va faire pendant les fêtes, il va à Sukkot par exemple, à Shavuot, alors ça va lui expier celui qui a mangé la viande impure. Il n'est pas obligé d'attendre d'arriver jusqu'à Rosh Chodesh. D'accord ? Principe clair. Eh ben, ce qu'on va découvrir maintenant, c'est un avis intermédiaire qui est Rabbi Shimon ben Yehuda, qui parle au nom de Rabbi Shimon. Selon lui, Rabbi Shimon n'a pas dit que chacun expie sur l'un, mais chacun ajoute sur son précédent. Soit Rosh Chodesh, c'est vrai, Rosh Chodesh n'expie que pour une seule faute, sur celui qui a mangé de la viande qui était impure. Mais c'est le Sa'ir, le Khatat qu'on va porter pendant les fêtes, alors ça va avoir une double expiation, qui va être celui qui a eu connaissance pas avant, ni avant ni après, et même aussi sur la viande impure. Celui de Yom Kippour qu'on fait à l'extérieur, alors il va expier celui qui avait connaissance après, celui qui avait connaissance de la Touma après, il y a Diot HaTouma de après mais pas avant, et même sur celui qui avait connaissance ni avant ni après, et même sur celui qui a mangé la viande impure, soit il rajoute, d'accord ? Ouais ? Si on veut donner des numéros, on avait Rabbi Shimon qui disait 1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 3, Rabbi Meir qui disait 1, 2 ou 3 pour 1, 2 ou 3, et maintenant on a ce nouvel avis qui va nous dire 3 pour 3, mais 2 pour 2 et 3. Et 1 pour 1, 2 et 3. D'accord ? C'est clair ? Et bien maintenant, on va lire la Mishnah et ça va aller très rapidement. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Shimon. Attendez, j'enlève le zoom de nouveau. Voilà. Je vous ai dit, j'ai des boutons sur le nez, je veux pas que tout le monde les voie. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Shimon ben Yehuda dit en son nom de Rabbi Shimon. Seirer asher chodashim mechaprim ala taor she'achal et atameh. Les korban sa'ir, khatat, sa'ir qu'on apporte à Rosh Chodesh, il expie sur le pur qui a mangé une viande qui était impure. Mosif aleyen regalin, il ajoute sur lui plus de spécificité, le korban des regalim, qu'on apporte durant les shalosh regalim, durant les trois fêtes. Shemechaprin ala tahor, sha'achal et atame, qui va expier non seulement sur le tahor qui achal, Shachal et Tatame, le pur qui a mangé de la viande impure, mais même en plus, même sur celui qui avait connaissance, ni avant et ni après, il n'a pas su, il n'a jamais su qu'il a été impur lorsqu'il est entré au Beth HaMikdash, ni avant il a pris connaissance de la Touma, ni après il a réalisé son erreur. Il ajoute sur eux le Yom, celui du Korban Yom Kippour, qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fait sur le Mizbeach HaChitson, ouais, qu'on va donner son sang sur les carnotes, pas à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, du Kodesh HaKodeshim et du Kodesh. Et lui, qu'est-ce qu'il fait celui-ci ? Mosifalen Echel Yom HaKippurim, Shehen Mechaprin, que cela, celui de Yom Kippur, Mechaprim Alataor Shachal et Tatame, il va expier la faute de celui, Alataor Shachal et Tatame, l'homme pur qui a mangé de la viande qui était impure, et aussi, Ve'al Shen Bayedia Lo Batechila Ve'lo Basov, sur celui qui avait connaissance ni avant et ni après. Ve'al sheyesh ba, je me suis perdu, mais je le fais pas ailleurs, c'est pas grave. Ve'al sheyesh ba yediya ba sof.
Mais sur celui qui n'avait pas connaissance avant, d'avoir quand il était impur, il a paralysé qu'il était impur, mais qu'après coup, une fois qu'il est entré au Bet HaMikdash, on lui apprend, il réalise qu'en fait il était entré au Bet HaMikdash, mais donc il avait connaissance avant, après et pas avant. Et donc, ce troisième-là va pouvoir être mechaper sur les trois fautes en même temps. Sur ça, on va reprendre maintenant la même question qu'il y avait hier, sauf qu'hier on l'a posée de manière très restreinte, et puis là on va la poser de manière un peu plus large, puisqu'on a un nouveau Rabbi Shimon qui parle. Amroulo, ils lui ont rétorqué, qui en fait Rabbi Meir, il lui a dit, Maouchikri vous est basé, qu'est-ce que tu penses Rabbi Shimon, si, comme la fameuse histoire, on a perdu le korban de Yom Kippour, il s'est évadé, et puis entre temps on a pris un autre korban à la place, et après le lendemain Yom Kippour, l'ancien bouc revient, le Saïr, le bouc qui revient d'accord, on lui dit, c'est pas grave, toi on va t'apporter à Soukot. Donc moi où j'écris, vous c'est pas celui de Kippour, on va l'apporter à Soukot, en tant que Saïr de Soukot. Est-ce qu'on peut le faire? Ou inversement, celui de Soukot à Rosh Chodesh, ou bien celui de Rosh Chodesh, durant les régalés, moi, au Yom Kippour. Amroulo, moi où j'écris, vous c'est pas. Qu'en est-il de les apporter un à la place de l'autre, si toutefois il s'est perdu, on a pris un autre à la place, est-ce qu'on pourra lui le substituer ou non? Amarlen, Hen, il a répondu, oui. Attention, à ne pas confondre avec Ein, avec un Aleph. Hen, ça veut dire oui en araméen. Et dans la Mishnah, on parle un hébreu, un petit peu, avec une tendance araméenne. Amroulo, mais une rétorqué. Alors là, je te comprends pas, Rabbi Shimon. Imken Yushel Yom Kippourim Kerevin Berashir Chodashim. Je comprends que tu puisses apporter le korban de Yom Kippour, qui s'est égaré, et que tu le retrouves à la fin de Tishrei, que tu vas l'apporter à Rosh Chodesh. Ça, je peux le tolérer. Pourquoi? Parce que celui de Yom Kippour, il pouvait certes expier trois sortes de fautes au moment où tu l'as désigné. Il pouvait la faute 1, la faute 2, la faute 3. Ouais, mais il incluait qu'il pouvait aussi donc expier la faute de la viande qui était impure. Donc certes, quand tu vas le retrouver et que tu vas plus l'apporter pour à Yom Kippour, parce qu'on a déjà passé Kippour et qu'il ne pourra plus attendre jusqu'à l'année prochaine, et que tu vas l'apporter à Rosh Chodesh, ça, je peux encore l'entendre. Mais étant donné que ça expie sur la même faute, ça n'explique pas sur toutes les fautes qu'il pouvait expier, mais sur une partie quand même. Alors il pourra quand même l'apporter et le faire monter en corban expiatoire. Aval er shel rasher chodashim kerevin beyom akipurim lechaper kapara she'ena shela. Mais par contre, comment si on a perdu le corban de Rosh Chodesh et qu'on le retrouve juste avant Yom Kippour et que tu vas vouloir l'apporter à Yom Kippour, mais comment tu peux dire que tu vas porter ce corban là à la place de, en guise de numéro 1, la faute la plus grave? C'est pas possible d'une histoire pareille, pourquoi? C'est plus expliqué, mais en tout cas, la raison elle est simple. Elle est étant donné que ce corban-là, au moment où tu l'as désigné, qu'il allait être Khatat, il est venu Khatat pour expier pour une faute très restreinte, celui qui a mangé une viande impure, mais pas pour celui qui est entré au Bet HaMikdash alors qu'il était impur et qu'après il a pris connaissance. Est-ce qu'il pourra l'apporter? Toi, Rabbi Shimon, tu penses vraiment comme ça? À Marlène, Kulan Bain et Khaper al-Tumat Mikdash ou Kalashah. Malgré tout, je pense que oui. Étant donné qu'ils viennent pour le même type d'interdit, qui est ce qu'on appelle Tumat Mikdash Vekodashav, celui qui a un rapport avec l'impureté, qui transgresse les lois de pureté et d'impureté du Bet HaMikdash ou du Kodesh, ouais, Tumat Mikdash, la Tumat du Bet HaMikdash, ou bien la Tumat de Kodashav, qui est les Korbanot, soit parce qu'il a mangé une viande qui était impure, soit parce qu'il était lui-même impur, il a mangé une viande qui était pure, peu importe. Tout ça, c'est la même famille, et les corbanes sont désignés pour expier cette faute-là, et donc on peut les substituer, je ne sais pas comment dire, les permuter, un à l'autre, si toutefois on s'est retrouvé dans une situation pareille, d'accord? On a fini la Mishnah, le Bartenois, c'est quelques petits mots. Mishmo, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui, Omer Mishmo, qui disait en son nom de qui? Chez Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Vestam Rabbi Shimon, ou Rabbi Shimon ben Yochai, bien évidemment. C'est quoi? Il s'appelle aussi Rabbi Shimon ben Yehuda. Qui dit en son nom de Rabbi Shimon. Pourquoi lui tu l'appelles Rabbi Shimon Stam? Qui tu désignes comme Rabbi Shimon Stam? La part de la scène, c'est Rabbi Shimon Ben Yehuda, bien évidemment. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Quand on le trouve, c'est là.